Tu vois, l'origine de Jésus remonte au temps ancien. Comment? Zacharie chapitre 9, verset 9, il est écrit qu'il va monter sur un anneau. Le Dieu va monter sur un anneau. Cela est manifesté dans Matthieu chapitre 21:1-2:3. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, dis-je ça. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, on dit Dieu maintenant, il est venu, il va habiter au milieu de nous. Comment il est venu habiter au milieu de nous? On va lire deux versets, vous allez comprendre. Et je vais donner au moins 6 versets dans la Bible qui démontrent que Jésus, il est vraiment véritablement le Dieu véritable. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Amen. Donc Dieu dit, il va habiter au milieu. Faut lire maintenant Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Il t'arrête à 8. 5 à 8. Comment Dieu est venu maintenant habiter au milieu de nous? Parce que cela a été scellé dans Exode chapitre, Ésaïe chapitre 34, verset 16. Quand ils ont dit ça, ils ont scellé cela et c'est devenu comme ça a été pointé dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Ecclésiaste 12, 13, ça a été scellé. Maintenant, Jésus, il était dépouillé pour venir habiter au milieu de son peuple. Comment il s'est dépouillé? Après cela, je vais te donner au moins 5 versets qui prouvent que Jésus est véritablement le véritable Dieu. On va lire ça rapidement. Dans Philippiens 2, verset 5, verset 5, 8. Philippiens 2, 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Existant, c'est un participe présent. Existant en forme de Dieu, ça continue, c'est continuel. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est pourquoi il s'est dépouillé lui-même. Il était dépouillé. Est-ce que c'est une personne qui l'a dépouillé? Non. On dit il s'est dépouillé lui-même. Hein, allons-y. En devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire qu'il n'était pas semblable aux hommes. Tu vois, est-ce que Dieu était semblable aux hommes? Non. Quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, la montagne était enflammée. Ouais. Donc, pour venir maintenant habiter au milieu des gens, comme il avait déjà dit, il faut qu'il se dépouille lui-même. C'est pas fini. Et ayant paru comme un simple homme. Ah, tu as vu, pour habiter avec les simples hommes, il faut qu'il soit homme. Homme. Un simple homme, pas comme Dieu.